8h30, comme tous les matins, on quitte le camp. Aujourd'hui, on est parti pour une belle journée. On se dirige vers un lac qui risque d'être asséché et des belles peintures rupestres encore dans les montagnes. C'est parti! Alors, on est arrivé à un site assez exceptionnel. Donc là, il y a de l'eau au milieu du désert. Et derrière moi, plein de gravures sur les murs. En tamashek. Donc il y avait un alphabet, il y a toujours hein, d'ailleurs, un alphabet tamashek, donc qui est la langue des Touaregs. Sur certaines gravures, c'est des lettres, juste ici. Et on a aussi des animaux, comme là vous pouvez voir un dromadaire. Et il y en a partout. Une petite ici là. Tu vois, attends, on je. On la voit pas très bien. Et t'en as surtout une là, là. T'as la tête, les pattes avant, les pattes arrière. C'est là qu'on voit bien. Et après là. Ah, Indy, qu'est-ce que t'es fort, Indy. La carte des États-Unis. Ah, la carte, putain. Ouais, ouais. Non, mais là, c'est extraordinaire. Ah, je sais pas ce que c'est, ça, j'arrive pas à voir. Mais si, tu viens de le dire. En fin de journée et on a déjà planté le camp. On est allé un peu plus loin, on a fait une vingtaine de kilomètres en 4x4 pour trouver un nouvel oued où il y aurait des peintures rupestres encore une fois. Et c'est pareil, là on se sépare pour explorer un peu les lieux et essayer d'en trouver. C'est parti à la recherche des peintures rupestres. Aujourd'hui, normalement, on va être entre dunes et montagnes. Et on voit déjà tout de suite que ça se vérifie. Qu'est-ce que tu te fous de ma gueule, toi? Et où tu vois de la montagne, là? Là, à gauche, là, c'est des rochers, quoi. Ah, des cailloux, alors. Ouais, mais quand ils sont assez gros, ça fait une montagne. Ah. T'as la roche qui est tombée avec les bonnes couleurs. Et effectivement, il n'y a rien d'autre à foutre que peindre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'avaient pas un jeu de cartes à la je sais pas quoi là. Moi, j'ai toujours dit, les artistes, c'est des fainéants. Ah bah, toujours. C'est vraiment, ils n'ont rien à faire. Aujourd'hui, c'est génial, on en trouve vraiment partout. Dès qu'on regarde sous une roche, presque, il y a des peintures. Et là, on peut bien les voir, juste derrière moi. Il suffisait que je parle tout à l'heure pour dire qu'on avait beaucoup de chance d'en voir pour qu'on n'en voit pas cet après-midi.
Donc on rentre bredouille cet après-midi et on se dirige comme d'habitude le soir vers la dune pour aller bivouaquer. Je vous la montre, elle est là-bas au fond. Bon, avec Gilles, on s'est mis un petit objectif. Petit, je sais pas. Hein. Oui, petit. Pas non plus, on a le camp là qui est en bas. Alors attendez, je vous montre. On a le camp qui est là-bas, là. En bas de la grosse dune. Et nous, à coup comme on est, hein, on s'est dit, on va passer par la crête là-haut. Tac, tac, tac. Et on va aller voir le coucher de soleil. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Tout en haut. Sauf qu'on dirait pas comme ça, mais c'est loin, et c'est haut. Donc la première étape, c'est non pas de marcher en canard comme Gilles est en train de faire, mais c'est d'essayer de rejoindre la crête pour la suivre jusqu'en haut. Mais dans le sable, c'est pas une masse à faire. Voilà ce que ça donne quand on marche. Oh, il y a tout qui s'effondre en fait. Ça fait des grosses vagues comme ça. Comme un glissement de terrain en fait. Et ça s'arrête pas. Ça va comme ça jusqu'en haut. Voilà. Et après, bah, t'as le pied dans le sable. Nouvelle journée, on a fait plus de la moitié et on continue de marcher. Cette fois-ci vraiment sur de la roche. J'ai encore des images plein la tête du coucher de soleil hier soir sur le haut de la dune. Vraiment ça, je pense que ça va rester gravé dans ma mémoire. Très bonne idée qu'on a eue, une idée de con comme j'ai dit, mais c'était une bonne idée. On traverse actuellement ce qui ressemble à un lac asséché. On voit bien à quel point c'est sec. Et quand on marche. Des lamelles qui restent. De terre sèche. Il y en a partout comme ça. Ah, je vous montre juste le nombre de mouches qu'on trimballe toute la journée. Regardez-moi ça. J'en ai partout. Ça devient insupportable. On est déjà à plus de 100 km dans les pattes. Et aujourd'hui, on va retrouver un bout de civilisation en retraversant la route. Mais avant ça, il faut déjà l'atteindre. Donc là, ça c'est des poteries. On a trouvé pas mal de morceaux là, juste ici. On voit bien. Ouais, super. J'ai bien l'impression qu'on se redirige à nouveau vers une gorge. Oh putain, par contre,
ça me rassure pas trop. T'as une peau de... Tu sais, de serpent qui a mué. Ah ouais, formidable. Je vais sortir de là, moi. Ah, l'air pur. Ah. Alors, Dr. Jones, vous en êtes encore sorti? J'ai soif d'aventure. Près des dunes, il y aurait un puits, à voir s'il est asséché ou pas. Et après 8 jours dans le Sahara, c'est peut-être la première fois où on va pouvoir faire un vrai brin de toilette. Voilà à quoi ressemble la source. Totalement asséchée. On voit bien, tout est sec, il n'y a plus rien. Et là, c'est le puits. On voit là à droite le seau qui sert à l'épuiser au fond. Et au fond du puits, il n'y a rien. Et là, si je lance la pierre, voilà, on entend bien, c'est totalement sec. Journée, on avance entre l'énorme dune qui est juste derrière moi et la route. La douche commence vraiment à nous manquer. Ambiance un peu particulière cet après-midi. Je pense qu'on accuse un peu tous le coup. Personne ne se parle. On est tous dans nos pensées, dans l'effort. Et on marche tête baissée jusqu'à l'objectif qui est la dune en face. Presque 9h du matin, on attaque notre dernière journée de marche. Joël, il aimerait bien voir une gazelle avant qu'on parte. On va surtout essayer de pas se blesser. Donc pour vous donner une idée d'où on est dans un oued asséché, une fois de plus. Donc une sorte de grande gorge. Et sur les parois de la gorge, on voit les différentes strates qui s'écroulent en fait. Et là où c'est blanc, il y a des chances de trouver des peintures rupestres. Donc juste en face ici, on va aller tout de suite et je vais vous montrer, il y a des peintures. Celle-ci est un petit peu plus inaccessible, je suis obligé de m'allonger sous la paroi. Mais on voit ici assez distinctement des personnes. On en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit 6 personnes. Et il y a d'autres peintures le long de la paroi qui sont un petit peu effacées, malheureusement on les voit plus très bien.
Donc je vous montre celle-ci. Et on va les revoir encore après. Mais c'est dommage qu'on puisse plus les voir comme elles étaient avant, parce que toute la paroi est recouverte de peinture. Sur celle-ci, on la voit, elle est quand même bien plus nette que les autres. Juste là et là. Je vais vous les montrer de plus près en vidéo. Mais on voit carrément les doigts assez clairement. Donc il y a trois personnes. Je vous mets ça de plus près pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la finesse des traits. Et la dernière, c'est celle-ci. Elle est un peu plus compliquée à voir parce que les traits de peinture sont blancs. On voit ici plusieurs personnes qui sont en file indienne. De plus près, on voit que c'est des archers, mais elle n'est pas facile à voir. Et en fait, les peintures blanches comme ça, bah, vous avez pu le voir dans la vidéo, on en voit plus rarement. Celle qu'on trouve le plus régulièrement, c'est rouge. Et noir et blanc, c'est un peu plus rare déjà. Donc là, ici, on a une concentration de plusieurs peintures dans un seul endroit assez importante. Après, Joël nous disait que elles sont quand même relativement petites et qu'il y a dans d'autres endroits en Algérie, dans le désert, où on trouve vraiment des peintures énormes. Donc là, on n'en a pas vu, à part celle il y a quelques jours avec les chameaux, mais qui était quand même plus récente. Donc ça reste quand même des petites peintures. Mais ça fait toujours plaisir d'en voir. On quitte l'Oued où on était, où il y avait toutes les peintures. Et on se dirige vers la fin de notre marche de combien de jours déjà? 9 10 65 je crois. Enfin, moi c'est le sentiment du... Ouais, de 10 jours de marche. Et après, dernière nuit en tente et on entame le retour vers Taman Rasset. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et si tu veux plus de contenu de ce genre, abonne-toi à la chaîne. Allez, ciao ciao !